Et Boniface va nous conduire à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Le tombeau est vide, Christ est ressuscité, à Christ vous remet, à lui seul la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité, pour l'éternité. Lève les mains, on dit à toi la gloire. À Jésus la gloire. À toi. Oh, oh, ressuscité. À toi la gloire. La zone 1 te célèbre ce matin. À toi la victoire. Pour l'éternité, pour l'éternité, brillant de lumière ensemble, brillant de lumière. L'ange est descendu, l'ange est descendu, et il roule la pierre. Pierre du tombeau vaincu, du tombeau vaincu, à Jésus la gloire. Enlève encore la main, à toi la gloire, la gloire, à toi la gloire ressuscité. Tu mérites la louange. Il est ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité, pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Vois-le, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Fils ressuscité. Alléluia. La louange à l'agneau. C'est lui, toi. C'est Jésus. Et je l'ai dit de tout mon cœur. Ton sauveur et ton maître. Alléluia. Ton sauveur. Dieu mon maître, Seigneur. Pas de doute. Pas de doute. Oh, ne doute plus, mon doute. Ami. Oh, alléluia. Et Seigneur. Baptise. Baptise. Sois dans la légresse. Sois dans la légresse. Alléluia. Sois dans la légresse. Peuple de Dieu, soyez dans l'allégresse. Peuple du Seigneur. Oh, oh, il descend, il descend, il descend. Oh Jésus, gloire. Il fait du bien ce matin. Gloire et louange à l'agneau. Oh, recosse au capéré. Alléluia. Que Christ soit avec nous. Christ avec nous. Il est vainqueur. Enlève la main, enlève la main, enlève la main, alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Christ a ressuscité. Christ a ressuscité. Christ a ressuscité. Que son nom soit béni. À toi la victoire. Malades. Alléluia. Tu guéris les malades. Rabba, tu guéris les malades. Kima, tu guéris les malades. Au nom de Jésus. Tu guéris les malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu guéris les au malades. Au nom de Jésus. Tu guéris les au malades. Au nom de Jésus. Tu ressuscites l'amour. Alléluia.
Tu ressuscites la joie. Alléluia. Tu ressuscites la paix. Alléluia. À toi la gloire. 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 Tu bâtis du Saint-Esprit. Oh, rabash, tu bâtis du Saint-Esprit. Tu bâtis du Saint-Esprit. Tu sauves encore ce matin. Alléluia. Tu restaures notre paix. Merci Jésus. Tu restaures notre joie. Merci Jésus. Tu restaures notre communion avec toi. Alléluia. Tu nous pardonnes, Seigneur. Merci Jésus. Tu nous donnes la joie. Amen. Mais aussi la force de pardonner aux autres. Alléluia. Oh, que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit célébré. Alléluia. Gloire et louange à Jésus. À toi la gloire. Gloire 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 à Jésus. Tu ressuscites la foi. Amen. Tu ressuscites la foi. Amen. Tu ressuscites notre engagement. Amen. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. Merci Jésus. À toi la victoire. Alléluia. Pour l'éternité. Alléluia. Le tombeau est vide. Amen. Jésus est vainqueur. Ressuscité. Jésus est vainqueur. Amen. Jésus est vainqueur. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. À Dieu la gloire. Nous t'adorons, Sauveur et Seigneur. Jésus. Nous t'adorons, Sauveur et Seigneur. Oh. Que ton nom soit loué. Tima que ton nom soit exalté. Get que ton nom soit magnifié, Alléluia. Glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Laissons la place à Boniface pour les chorales. Boniface, chorale, chantons de tout nos cœurs. Adorons le Seigneur. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Au nom de Jésus. À Christmas, au nom de Jésus. Christmas, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. À lui seul la gloire. Amen. Au siècle des siècles. Amen. 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 Nous commençons par les enfants, après les ados. Nanki le kwamba. Merci à nos enfants, que Dieu vous bénisse. Suivons la chorale des ados et la chorale anglophone se prépare. Thank you.
Merci aux ados. Suivant la chorale anglophone et le maman se prépare. Salut. Il est ma lumière, ma force et l'objet de mes louanges. Lui qui s'est fait chair, maltraité des hommes, il est mort, puis ressuscité pour nous. Par son sang, il nous a rendus libres, justes, et depuis lors, nous sommes dans sa main. Que son nom soit glorifié. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm for the fierce and strong and storm. What times of love, what days of peace. Merci beaucoup. Nous écoutons nos mamans. Leur chant dit que en Jésus, j'ai trouvé la force, l'espoir, le courage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.
Amen. J'écoutons nos mamans. Sabarka on a mani nere que le gada coral mix.
Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pendant que la chorale se prépare pour son deuxième cantique, nous lisons la méditation de sa parole pour aujourd'hui. La méditation de sa parole pour aujourd'hui. Le titre est le suivant. La tombe vide. La lecture biblique se trouve dans Jean au chapitre 20. Versets 6 et 7. Nous lisons le texte. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans les sépulcres. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Gloire au Seigneur. Le commentaire est le suivant. Selon une étude universitaire, l'émotion la plus commune parmi les humains de toute race, après l'amour est le regret. Henri David a écrit. La majorité des humains vit une vie de tranquille désespoir. Les effets du regret sur notre corps, sur notre esprit et émotions, sont les phobies, la violence conjugale, la colère, l'anxiété, l'abus des drogues ou l'alcool parmi d'autres vices. Ton tarsora pour un yata awatane et wala gam touma wala nonglum son non boum son low usro la mantoum ni se fa sankatoum son miaye. Si vous vivez sous le poids du regret, vous serez peu enclin à crier à Dieu. Pierre était sans doute accablé de regret après la mort de Jésus. Non seulement ce dernier est mort, mais en plus Pierre l'avait trahi. Il n'avait pas eu l'occasion de lui demander pardon. Rien ne pouvait soulager le poids du regret sur son cœur. Mais le jour de la résurrection de Jésus, Pierre courut jusqu'à la tombe avec l'autre disciple, qui était probablement Jean. Il entra dans le tombeau et le trouva vide. Jésus n'était pas là. Imaginez ce qui a dû lui traverser l'esprit. Où se trouvait Jésus maintenant? Qui aurait pu l'amener et où? Allait-il avoir une chance de lui demander pardon pour sa trahison? Pierre ne se rendit pas compte à ce moment-là que le poids de ses regrets allait bientôt disparaître de ses épaules. La Pierre Pabang Wakat Kanga Tiensa Manda Bangwa. Manda Bangwa Zislma Panan Lourmbassien. Nan Lourmbassien.
À Jésus vous renigne. Comme si ses regrets avaient été enterrés avec le corps de Jésus. Le jour de la crucifixion. Et s'était volatilisé avec sa résurrection. Parce que la tombe était vide. Pierre a pu rencontrer Jésus plus tard. Sur les bords du lac, après avoir sauté par-dessus bord pour s'approcher le plus vite de Jésus. Parce que la tombe était vide. Et parce que la tombe est vide aujourd'hui. Vous pouvez aussi être libéré de vos regrets. Vos regrets se volatiliseront dès que vous vous approchez de Jésus ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, Pierre aurait porté le poids de ses regrets le reste de sa vie. Son espoir serait mort avec Jésus. Mais la tombe était vide, la tombe est vide. Et l'exhortation ou bien le conseil donné est le suivant. Ne faites pas un pas de plus avec le fardeau de vos regrets. Jetez-les dans la tombe vide. Et dirigez-vous le cœur libéré vers Jésus, votre Sauveur et votre Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus pardonne. Si nous ouvrons notre bouche, si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle, il va nous pardonner, il va nous libérer du poids de nos péchés. Et il n'y aura plus de regrets dans notre cœur. Je prie ce matin que chacun de nous se confesse et dise à Jésus qui il est et ce qu'il a fait. Et soit libéré du poids de ses regrets pour vivre pleinement la résurrection de Christ aujourd'hui et toujours. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. À Christmas. Nous écoutons la chorale. Pour son deuxième chant. S'ils écoutent le français que j'emploie, ils comprennent ce que je veux dire. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'ils vont chanter, nos mamans se préparent. Et après nos mamans, nous allons passer à un autre moment de notre culte.
Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse nos choristes. Je sais que la chorale féminine a un autre chant. J'étais là hier quand elle répétait. Donc je connais leur chant. Je sais qu'il y a un autre chant. Donc préparez-vous. Ça va aller. Que Dieu vous bénisse. Ces jours de Pâques, commémoration de la résurrection, Jésus-Christ vous retiendra. On va faire chanter nos chorales. Bien, est-ce que c'est Nabi qui aime demander comme ça? Est-ce que nous avons notre manuel? Levé avec, voilà, pour Pélum, comme on le dit. J'ai l'impression que c'est un arrangement.
Je vois bien. Ceux du dehors, je suis vraiment content de vous. Que Dieu vous bénisse. Wana ningi barka. Yinkaramba. Ceux qui sont à gauche. Toka beno apawo osore. Beaucoup n'ont pas la leçon. Que Dieu vous bénisse. Wana ningi barka. Rasulugi nenga tenga. Ne baissez pas la tête. Lorsque les leçons seront disponibles, que chacun d'eux avoir sa leçon. Au nom de Jésus. Nous allons aller à l'école biblique. Maintenant, qu'une école biblique pour un. L'école biblique est venue à l'église locale. École biblique à zone de Wendoura pour un. Et nous allons priver le comité de présentation de son privilège aujourd'hui. La runa adna qui t'a monga souningesa ingeta leçon aye le zunora. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Wilson. Car Samuel Wilson, ouais. Gloire à Dieu. Barkwenam. Donc, on a vérifié que tout le monde a son cours. Et ceux qui n'ont pas leur cours, rendez-vous à la place pour chercher le cours. Sinon, à la prochaine vérification, on va vous mettre dehors. Nous sommes donc à la leçon numéro 13. Et c'est toujours le thème de la repentance. Et aujourd'hui, on aura une leçon magistrale. Donc soyez très attentifs. Il n'y aura pas d'explication. Donc je vais mettre votre attention à l'épreuve. Parce qu'il y a longtemps qu'on vous enseigne, vous êtes devenus maintenant des grands étudiants. Donc nous sommes à la leçon 13. Pâques, nous sommes plus que vainqueurs. Pâques, ton y a ton de hakika. Verset à retenir. Je bien le croire, hein? Romains 8, 37. Romains n'amène pas dans la yopoué. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La bonne quand ça fait pour un ton y a ton de hakika. Par celui qui nous a aimés. Son nom a ton amas minga. La lecture biblique se trouve dans Exode 12. Karonga zinga abe yikri pila yibu. Luc 24, 1 à 12. Luc puis la nasse et même t'étant pila yiba. Et la leçon est organisée comme suite. Zamsora na kendre la auto. Le premier point vainqueur de l'esclavage. Pipi ton de bois ne yemda. Deuxième vainqueur de la mort. Yibu ton de ne kuma. Et troisième plus que vainqueur. Tambo ton de hakika. Pour le premier point, nous lisons ceci. Et ça, n'est plus possible de calme dans l'auto. Vainqueur de l'esclavage. Les Israélites sont devenus des esclaves en Égypte. Ils sont durement opprimés. Dieu a vu leur souffrance. Dieu a entendu leurs cris. Exode 3, 7. Moïse est envoyé pour les délivrer de la main de Pharaon, qui refuse de laisser partir les enfants d'Israël. La mort des premiers-nés, Exode 12, 29 à 42, sonne la fin de l'esclavage. Pharaon chasse les enfants d'Israël qu'il retenait. Israël est vainqueur de Pharaon et de l'esclavage. Pipi, ton redobne yemda. Israël kamba libra yembes égyptenga. Apam da namso halousro. Mwen amyan da bam namsra. Mwen amou ma bam kilimsa. Yiketaba yopwe. Tout le monde est fait à faire nous. La faire en sac, c'est Israël qui a fait le loyer. Comme dans son coma, il écrit la Yibu, puis la Wai, puis la Yiba. Wane Yemda Sebo. A faire en Riga, Israël qui a fait le loyer. Israël n'a pas fait le loyer. La ne Yemda. Et le deuxième point, vainqueur de la mort. Satan tente par tous les moyens de saper l'œuvre de Dieu. Il a séduit Adam et Ève, Genèse 3, qui sont devenus ses esclaves. Dieu a vu la souffrance de l'homme et entendu ses cris. Jésus est envoyé pour le sauver. Luc 19, 10. Satan séduit les hommes qui accusent Jésus, le juge et le crucifient. Jean 19, 6. Jésus est mort. Satan crie victoire. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Le péché est vaincu. La mort est vaincue.
Jésus est vainqueur de Satan. Yibu, ton rôle devenait comme, surtout dans ma carte d'année, soit boudfan, disant moins n'amtoumna. N'y est belga Adam n'est awa, singe tango, dibam le brien yemse. Moins n'amien dans nisa n'amsera, la boum ab kilimsa. Abtouma Jésus tifan nisa la, Luc pila ouin piga, surtout dans belga nisa la, devant da Jésus, un kaubam boudo. La bam da pikzugu, Jean pila ouen yobe. A Jésus qui me, surtout à quel moment ta ton remè, rasma tab dale, à Jésus vous remè, à ton rayel ouena, à ton rocouma, à Jésus ton ra surtout. Et le troisième point, plus que vainqueur. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons la victoire sur le péché et sur la mort. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous n'avons plus peur de la mort. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2:15. Nous pouvons donc dire avec Paul que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous a aimés. Ton pa ma ton ri yel wana la kuma jugu ton kale ya yel wana ye monsieur ton kale ya sit kuma ye Christ sa ma pa ramba ne noya panga on wili ne ba fa te ton ko la ne da pika kolos ndamba yibu pilanu ton ton na ra polen ye ti bon kan sa fa pour un ton ya ton ko ha kika bala wana mno ngotondo. Gloire à Dieu. Bar kwenam. Et le devoir à rendre pour mardi. La socré yam sincerada un kis lucra raitalata que vous rappelle Pâques et Pâques à terre dans yam boin. Donc c'est mardi à 19h, délai de rigueur. Rewa ya talata zabro akata ayopwe ya yodam wakat lani. Alors après avoir entendu ces paroles d'encouragement qui viennent de la leçon, nous sommes convaincus d'être plus que vainqueurs. Parce que Jésus, en mourant, a tué la mort. Et il vit pour nous. Et comme nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour Christ. Donc nous sommes aussi vainqueurs de la mort. Donc que Dieu nous bénisse et nous donne de vivre dans cet espoir à jamais. Notre Père et notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci pour ces paroles d'encouragement que tu viens de nous faire entendre par la leçon. Garde-nous dans cette dynamique, Père. Permets que nous puissions ne plus craindre la mort et savoir que Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. Tous nos péchés ont été cloués à Golgotha. Et Père éternel, nous sommes maintenant libres. Merci de nous permettre de vivre dans cette liberté. Merci de nous permettre de persévérer dans cette vie afin que, Père éternel, ce qui est réservé pour nous, nous puissions l'avoir dans l'éternité et vivre perpétuellement avec toi. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Ton a ton réfant. Ton a ton réfant. On se tient debout, s'il vous plaît. Jésus ma samyinga. A Jésus ma samyinga, ton a ton refa, amina ton a ton refa, ton a ton refa, a Jésus ma samyinga, ton a ton refa, ton a ton refa. Ton a ton refrain, à Jésus ma samyenga, ton a ton refrain. Vous pouvez reprendre vos places.
Bahdawirane, docteur Ima. Nous cédons la place au docteur Ima. De voir quand on nous endora. Vima Kwese. Afin que nous apporte les informations relatives à la vie de l'Église. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Barkwenam. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant tout, nous voulons accueillir ceux qui nous visitent pour la première fois. Donc, si vous êtes là pour la toute première fois, nous vous demandons de bien vouloir vous tenir debout. Nous demandons en même temps à notre sœur Gwese Bo. Et Bertine, si elle est là, de bien vouloir se tenir debout. Nous avons notre sœur Bertine qui est juste à côté. Elle nous a été recommandée par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire. Il y a l'Assemblée de Dieu Wendo Sembe Côte d'Ivoire Tum Sipkanga. Nous vous souhaitons un bon séjour au milieu de nous. À vous tous qui nous visitez ce matin, si vous allez rester avec nous, nous vous prions de prendre attache avec les pasteurs à la fin du culte pour plus d'informations. Mais si nécessairement vous devez repartir, nous vous demandons de transmettre notre salutation fraternelle à votre Église. Nous demandons à vos voisins immédiats de serrer votre main à notre nom à tous et à toute l'Assemblée de vous accueillir. Merci, veuillez vous rasseoir. Asseyez-vous. Le programme cette semaine. Semaine Kanga programme. Lundi à 19h, intercession. Tenala Zabro Akata Yopwe Seyokri. Mardi à 19h, et nous aurons un atelier sur la journée des pasteurs. Et tous les membres de l'Église sont priés de prendre toutes les dispositions pour participer à cet atelier. Talata Sanwata, c'est avril de Kiwi, la semaine Yibe Dare, Nan Tala Tumde Sankine Kansamdamba Dare, Kotam Tuendora Neba Fama, la pension Tuendor Zinde Point. Nos chorales répètent jeudi et samedi. Vendredi à 19h, prière d'édification. Samedi à 15h, rencontre de la SC suivie de la répétition de la chorale. Et tous les matins à 5h, excepté dimanche, il y a prière à l'église ici. Et demain matin, ça sera la prière pour le travail. La beau na tous les passionnés de l'Évangile portent à la connaissance de toute l'Église qu'il organise une sortie d'évangélisation à Zaktouli du 13 au 14 avril. Et ceux qui veulent participer sont priés de prendre et de bien vouloir s'inscrire auprès des passionnés. Passionné de l'Évangile Soula, non on torse ou en dorane bafante, ben yonda, que mon ro, la nage in des actuli, ya avril la san pila tabane pila nase, cotentiram ni fans en dat nan kenge, bimodron goudsiya, ne passionné de l'Évangile Rama. Les anciens, les diacres, les bureaux AEC, Jad, Meb, Denad, les premiers responsables des cellules et tous les autres comités et groupes et leurs adjoints sont tous conviés ce soir à partir de 18h à l'église pour une rencontre de travail. La présence de tous est indispensable. La cellule s'attaudamba. Le bon passe sous ce tava taudamba la tour porte. Quand tu nous avras quand tu y obis le bon wa, on doit pour un tourning. Bien le bon fin, son sondrement n'a pas un centuin, zin de pour un.
mariage. Les grandes familles Yamero et Sawadro, le pasteur Wenyam Philippe Yamero et épouse, le frère Marcel Valérie Sawadro et épouse portent à votre connaissance le mariage de leurs enfants Abijah et Jessica le samedi 20 avril 2024 à 10h à l'église des Assemblées de Dieu de la zone 1. Wotoya Yamuyo, ne Sawadro Bouyalamna, Kansamba, Wenyam Philippe Yamuyo, ne para, Tadbabige, Marcel Valérie Sawadro, ne para. Non, on tasse, on ne voit pas, comme il s'en sert en cadre. Ya Abijah, ne a Jessica, na y cible son water, pisiba, ya avril de cure à son pisiba d'aller. Wendo, on y a ibe wakat piga, zone une carne. Toutes les réunions de ce soir sont suspendues. Certains n'y se font, sans la certaine genoulundo zabra, vala, mais vigme. Nous invitons celui qui va intervenir au nom des diacres de bien vouloir s'avancer. Merci. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous le bénissons pour ce qui nous donne l'occasion de nous tenir dans sa présence et devant son peuple. Nous le bénissons également pour l'occasion qui nous donne de célébrer la Pâque en ce jour. Je suis là au nom des anciens. Au nom des diacres, au nom des responsables des structures AIC, MEB, JAD, DENAD, et de tous les autres responsables, cellules et comités, pour vous parler de la journée des pasteurs. Comme vous le savez, le Saint-Esprit a inspiré le Conseil national pour la mise en place ou l'aménagement d'une journée dédié au pasteur. Et si son si sa taudamba tabiak dare son wedotorza de kansamdamba yinga yumna point. Une journée où nous témoignons notre reconnaissance à Dieu pour des serviteurs qu'il a donnés à l'Église nationale. Dare ton son pouce de wenamad zaman bureau bam senyaka tentumba wendotenyinga. Et la zone 1 a saisi cette opportunité de tout cœur pour manifester à Dieu sa reconnaissance pour de merveilleux pasteurs que Dieu nous a donné. La zone 1 bendane zuno kanga ne sunre fa nam pousse zaman bureau ne karsam dam son konto men zanga wenam sinya ke toninga. Si il y a une église qui doit se réjouir de ses pasteurs, c'est bien la zone 1. Sami kam ti wendo sekata mana suno ne karsam damba mam. Gloire et louange à celui qui a payé le prix de sa vie pour que toi et moi, nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Que cette grâce nous accompagne, nous soutienne et fasse de nous des dignes représentants de Dieu sur la terre. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous
et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Frères et sœurs, nous nous adressons particulièrement ce matin aux mariés. Que les hommes mariés, que les femmes mariées, que chacun honore son engagement devant Dieu à l'endroit de l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu tiendra chacun de nous aux responsables de comment nous gérons notre conjoint, notre mariage. Que notre mariage soit exempt de souillure et que notre vie commune honore Dieu et soit un exemple pour les autres. Que Dieu bénisse tous les mariés et que Dieu donne à ceux qui sont sur le chemin de se marier selon la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse maintenant et toujours au nom de Jésus. Amen. Ne peut prendre soin de toi. Frères et sœurs, nous ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. Comptons sur la grâce de Dieu, comptons sur la présence de Dieu, et je prie que Dieu nous donne de ne jamais compter sur autre chose que sur Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.
bien. Et Dieu vous accompagne dans la victoire. Au nom de Jésus. Mariage de Asio 2 Amen. Et notre mariage s'est tenu à Asio 2 hier. Vous vous êtes tenu debout. Et envoyez des représentants au nom de toute l'Église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous donne de toujours faire de tels actes. Au nom de Jésus. Nos mamans. Et nos papas. M'ont chargé lorsque je me tiendrai devant vous de vous dire infiniment merci. De tout leur cœur, ils vous disent merci. Vous vous souvenez d'eux en les visitant. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Et continuez en vous souvenant d'eux. En passant rendre visite aux vieilles personnes, en les encourageant et en leur donnant la joie. Au nom de Jésus. Pasteur Wilson. Le pasteur Wilson. Lorsqu'il nous apportait l'enseignement, il nous a donné un devoir. Et nous voulons profiter de cette occasion pour lui dire merci. L'effectif est élevé. Si je vous demandais de composer les devoirs et apporter au pasteur Wilson pour correction, nous allons le faire souffrir. Mais grâce à Jésus, il ne va pas souffrir. Mais je vais inviter à ceux-là qui sont habillés en tout blanc. Pasteur Wilson, qu'on devoire. Le pasteur Wilson nous a donné un devoir. Devoir. Vous allez composer le devoir. Et les responsables de la chorale vont rassembler, centraliser ces copies. Pasteur Wilson. Et remettre les copies au pasteur Wilson. Et le pasteur Wilson va corriger. Et si les notes sont bonnes, il reviendra vous dire merci. S'il y a lieu de corriger certains aspects, il viendra dans une trentaine de minutes et prendra une trentaine de minutes pour échanger avec vous. Afin que vous compreniez davantage le sens de Pâques. La semaine passée, vous avez reçu un devoir. Beaucoup ont composé. D'autres n'ont pas composé. Mais quand on a regardé les réponses, il y a un des responsables de la chorale qui était avec moi. Et nous avons essayé de feuilleter 2 à 3 copies. Beaucoup ont compris les avantages liés à la repentance. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas compris ces avantages. Et c'est à travers vos réponses que nous avons vu cela. Et nous aussi, nous viendrons, même si c'est dans une quinzaine, même si c'est pour 15 minutes. Une des journées de répétition de la chorale. Et expliquer davantage. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons céder la place au frère Boniface. Nous allons collecter la dîme. Collecter les offrandes. Après cela, Boniface et le groupe GLAD a un chant. La tonne fin. Mais nous tous aussi, nous pouvons chanter avec eux pour adorer Dieu. Que les chorales s'apprêtent parce qu'elles ne vont pas échapper. Jésus est ressuscité. Mais il n'est pas de retour. Et il y aura du temps pour chanter. Au nom de Jésus. Alléluia. Bon samedi, Kingri. Il y a un numéro puissance là, Yibo. Il se parle la poids. Nimora pisnas la yibo. Alléluia. Nindare wenam tu bambiga saint kato. Jésus wa wogiba
barikati kodo lebe yeti ndare ndare when I'm too bambi gase kato jesus wa me jesus wa woge ba barikati kodo oh hallelujah zeka nuso hallelujah Alléluia, amen, amen, alléluia, 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 amen, oh, alléluia, 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 il est sous le vin, Jésus Sabawena, amen. Mam koyim abada, mam koyim abada, Jésus qui m'a minga, bam zim dage mam sore, bam ya mam fage, oh alléluia, 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 amen, amen, alléluia. Alléluia, alléluia, amen. Jésus Yinga, Jésus Yinga, mam na vie, bam ya mam pankota, mam na pege bam you, Mosa, Mosa la dabou. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, alléluia, 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 amen. Mam na kenane mam, bam na kenane mam, mam sembe du nyaka, mam konze dabe mye, mam konze dabe mye, alléluia, Jésus tay mam dabe, oh, alléluia. Alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est que nous avons dit alléluia, 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 amen, amen, alléluia, 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 amen. Victoire, alléluia, chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, alléluia, chantons, criant de joie, Galilée, Galilée, alléluia, sawa wenam son viva. Bam yarim nama di mazusam nama zusaba. Acclame Jésus. Galilée, Galilée. Amen. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir. Alléluia. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour tout, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va. Dis seulement un mot, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement,
Seigneur est mou, Seigneur est mou, je serai guéri. On acclame Jésus. A Jésus, bébé, on va Manu Bako Abamba. Père Bamiura. Ibam Kabetoye. A Jésus, si moi. Il y a pang un bébé. La pang tout m'a raté tout. Y a Jésus, si moi. Il y a pang un bébé. Pang un bébé. La pang tout m'a raté tout ma mère. Alléluia. Il n'y a pas de sidi, à ma rabase, il n'y a pas de bébé, pas de bébé, la pang tu m'arrêtes, tu m'amènes. Alléluia! Il n'y a la fille bébé, il n'y a pas de 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 bébé. Regi mare, regi la fi, regi panga. Et Jésus dit, mon waya, y'a pang un bébé, la pang tu marathon, tu m'amènes. Alléluia! Regi la fi. Régi panga, la pang tu marathon tu ma main, 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 la pang tu marathon, la pang tu marathon tu ma main, alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu et notre Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour les dîmes et les offrandes que nous avons récoltées. Nous te prions de les bénir, de bénir l'utilisation et de nous permettre d'être toujours dépendants de toi. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Nous te disons merci pour ces actions de grâce. Nous te prions de bénir les intéressés, de leur donner toujours de te servir dans leur travail et de savoir que Père éternel, c'est toi seul qui es au-dessus de toutes choses. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Veuillez reprendre vos places. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. Et ce matin, nous voulons le proclamer. Il est le vainqueur de la tombe. Et notre chant dit, Jésus, tu es puissant. Alléluia. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Ensemble, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. On le chante ensemble, peuple de Dieu. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Alléluia. Jésus. Le Christ sur le trône. Le Christ sur le trône. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus. Jésus. Tu es puissant.
omnipotent. Tu déplaces les montagnes, déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent. Tu guéris les malades, tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent. Tu brises toutes chaînes, tu brises toutes chaînes. Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent. Alléluia. Tu agis en ton temps, tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Alléluia, en bas les mains. Reçois la guérison, parce qu'il y a la puissance. Tu déplaces les montagnes, Jésus, tu es puissant. Tu guéris les malades, tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Tu brises toutes chaînes, tu brises toutes chaînes. Jésus, tu es puissant. Tu agis en ton temps, tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Tu ressuscites, tu ressuscites les morts, tu ressuscites les morts. Tu ressuscites ce matin. Reçois la résurrection. Il guérit les malades. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Tu déplaces les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons, nous triomphons, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus a triomphé de la mort. A Jésus ton racum. Que son nom soit loué. Bibam yura pam pengre. Glorifié. Pam ziri. À jamais. Wakat fan. Ce soir à 19h, Runda Zabra Wakata Yopwe, à l'occasion de la promotion céleste du pasteur Jean-Baptiste Savadgo. C'est que le pasteur Jean-Baptiste Savadgo sans le bon amnenge. Une veillée organisée à Sissin à son domicile. Karongona Zindi Obsaka pour un Sissin. Demain matin à 7h, le corps sera levé à la morgue de Bogodro pour aller à la maison et à 9h de la maison vers l'église 601 pour le culte et l'enterrement à 11h à Gouin. Les morts ressusciteront parce que Jésus est ressuscité. Bala à Jésus vous suivons donc Dieu de tout notre cœur. Et vivons suivant la parole de Dieu. Que Dieu console les cœurs
en pleurs et attristé. Que Dieu encourage et soutienne. Et que chacun de nous la titonner qu'enfant se prépare pour rencontrer son Dieu. Au nom de Jésus. À Jésus Masmaninga. Au nom de Jésus. À Jésus Masmaninga. Comment avoir la faveur de Dieu? Comment avoir la faveur de Dieu? Le texte c'est Matthieu chapitre 7. Karongwazinga ya Matthieu chapitre yopwe. Verset 21 à 27. Verset pisila a yopwe. Et Deutéronome chapitre 28. La Torah chapitre pisila ni. Verset 1 à 14. Verset yemre titan pila na se. Comment avoir la faveur de Dieu? Adnama na wana mpa mwena mluhurum walwena mparka walwena msongre. Le verset 21 de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre pisila a Matthieu chapitre yopo verset pisila yemra. C'est un peu vers la fin du sermon sur la montagne. Ya Jésus-Christ son mon kwera tanga zuga basro. Jésus dit ceci. A Jésus est à otone. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Abraham ni sa sin yetimam ti zusoba zusoba. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Bam fa kana ken arzan solomye. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Somman mam basmbe arzana raba bala. Frères et sœurs. Babi poxlam babi rapa. Je crois que si nous sommes là ce matin. Mam tera metiton sambe karunda ibewa. C'est avec un ardent désir d'avoir pour nous la faveur de Dieu. Ya ne ratam kasanga ti ton tempa mwenam lohrom. Vous qui avez déjà et nous qui avons déjà répondu à l'amour de Dieu. Nyam la ton sans sak mwenam. En croyant au Fils de Dieu envoyé pour payer le prix de la rançon. En tenwenam biribla abson tomet bam ten wande ton zinge en yoyoda. Jésus mort et ressuscité le troisième jour. Ah Jésus sans qui la son fourum baskumras matabdari. Vous qui êtes amis de Jésus et amis de la parole de Dieu. Nyam siya jukri zorama la wenam kwama zorama. Nous sommes venus là ce matin. Ton wakarunda ibewa. Pour encore vous souhaiter une bonne fête de Pâques de la résurrection. Là les bon poussiam. Et nous nous posons encore cette question. Comment vous et moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu, nous pouvons avoir la faveur de Dieu sur la terre? Avant de répondre à cette question, nous pensons qu'il est essentiel de nous poser une autre question. Et cette deuxième question est la suivante. Qu'est-ce que la faveur de Dieu? Qu'est-ce que la faveur de Dieu? Frères et sœurs, amis à l'écoute de la parole de Dieu. Le livre qui explique le sens des mots nous informe que le mot faveur veut tout simplement dire la bienveillance. Et quand nous divisons bienveillance, il y a le mot veiller et il y a le bien qui a pu veiller. Il y a la manière en pour donc le mot qui explique le livre qui explique les mots nous dit que la faveur de Dieu c'est la bienveillance de Dieu. Donc c'est le devoir que Dieu se fait de veiller sur toi et de bien veiller sur toi. Et ce livre qui explique les mots continue en disant que la bienveillance est un sentiment de bonté. Que quelqu'un a pour quelqu'un d'autre. Si toi tu as un sentiment de bonté pour une autre personne, tu donnes de la faveur à cette personne. Donc la faveur est aussi les bonnes grâces.
Ce sont les bienfaits. C'est vrai, en français, les termes sont changeants, mais en Maurice, c'est difficile. Ya city nasanda point guama abtente kalame la taket ya guomien la mora point ya toro. Mais je crois que nous nous comprenons très bien. Lam tarzameti ton fan de wom databa. Ceci étant dit. Bon kangar sinyeta. La faveur de Dieu. Ya ti wen na manera. C'est la bonté de Dieu pour une personne. Ya wen nam somlema nedinga. C'est la somme des grâces et des bienfaits que Dieu donne à une personne. Ya wena manera la wena mbarka san la gamtaba ti nedinga. Ainsi, connaissant maintenant ce qu'est la faveur de Dieu, nous pouvons nous revenir à notre question. Comment avoir la faveur de Dieu? Se poser cette question, cela revient à nous demander comment avoir pour nous toute la bonté de Dieu, toutes les grâces de Dieu, comment bénéficier des bienfaits de Dieu dans notre vie de chaque jour. Amis auditeurs de la parole de Dieu, vous que Jésus a aimé et a pardonné, Jésus lui-même donne la réponse à la question. Dans l'enseignement qu'il donne sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à chapitre 7. Matthieu chapitre 9, chapitre 1. Et la réponse que Jésus donne dans cet enseignement est résumée au verset 21 que nous avons lu. Comment pouvons-nous avoir la faveur de Dieu? Et Jésus donne la réponse en résumé en ces termes. À Jésus contre le cra gombis sa. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. En d'autres termes, Jésus nous informe que venir à l'église ne nous donne pas la faveur de Dieu. Porter un nom biblique ne nous donne pas la faveur de Dieu. Connaître la Bible ne nous donne pas la faveur de Dieu. Lire la Bible, c'est très bien. Et c'est ce que nous avons à faire aujourd'hui. Mais cela ne nous donne pas la faveur de Dieu. Prier et jeûner ne nous donne pas aussi la faveur de Dieu. C'est assez extrême de dire ces choses. Mais ce sont des réalités que nous avons à intérioriser pour éviter de nous tromper nous-mêmes et de perdre notre temps en vivant la religion au lieu d'avoir la relation. Jésus nous informe à Jésus contre ton quoi par Matthieu 7 21. Matthieu chapitre ayop verset pisila yemra que occuper un poste de responsabilité au sein de l'église si pam betum nor pour un wendora pour un ne nous donne pas la faveur de Dieu. Par contre ton wenam lohorma bi barki jouer un rôle quelconque dans la hiérarchie de l'église si wendora hanganana kendra toto ti ton ta tun bene ne nous donne pas la faveur de Dieu. Par contre ton no ne wenam lohorma. Une seule chose nous ouvre la porte de la faveur de Dieu. Appelez le nom de Dieu tous les jours. Dans n'importe quelle circonstance. C'est bien. Mais cela ne nous donne pas la faveur de Dieu. La seule chose qui nous donne la faveur de Dieu, c'est faire la volonté de notre Père céleste. Frères et sœurs, vous qui êtes venus là pour écouter la parole de Dieu, Jésus saisit alors le chemin qui le conduit
à la mort. À Jésus, bam tourner son nga santat bam ndir kuma zingwa. Puis à la résurrection. Ne fura zingwa. Pour montrer à chacun de nous. Nan wil tonner kanfa. De manière concrète et pratique. Venera. Comment nous pouvons avoir la faveur de Dieu? Ton santem man toton pa mwena lohrom. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre pisila yobe. Verset 39. Verset pisan la we. Puis en la ayant fait quelques pas en avant, bam sama naya kam na wanam pas. Il se jeta sur sa face. Bam sulgab neng tenga. Et pria ainsi. On pousse auto. Mon père. Mba. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Sans toi et mes tibunyul kanga zangambasma. Toutefois. Là. Non pas ce que je veux. Kamam sendatien. Mais ce que tu veux. La yam dabo. Dans ce verset. Verset kanga pour un. Nous voyons que Jésus n'appelle pas seulement le nom de Dieu. Tonya tameta Jésus kabonwenam yura balie. Et le verset 21 nous dit. La verset pis la yemra yeta ton. Ceux qui me disent. Abraham ni sa sambonma. Seigneur, Seigneur. Zusoba. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amfa kananke arzan solomie. Et dans ce verset 39. La verset pis la wewa pour un. Chapitre 26. Chapitre pis la yoba. De l'évangile de Matthieu, Jésus est sur le chemin qui le mène à la mort et qui va le conduire à la résurrection que nous célébrons aujourd'hui. Il appelle le nom du Père. C'est bien d'appeler le nom du Père, mais il ne s'arrête pas à ce niveau. Il va plus loin pour dépasser seulement appeler le nom du Père et laisser la volonté de Dieu s'accomplir sur lui. S'accomplir contre sa volonté. S'accomplir dans son corps. Frères et sœurs, dans ce verset, Marc chapitre 14, verset 36, Jésus appelle le nom de son Père en disant Abba, Père. Mais il continue en disant, non pas ce que moi je veux, mais que seule ta volonté se fasse dans ma vie. Et la volonté de Dieu certainement n'était pas facile à porter. Mais Jésus a laissé la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Comment avoir la faveur de Dieu? Répondons tout simplement en faisant la volonté de Dieu. Genèse chapitre 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Nous avons dit dans l'explication du mot faveur que faveur veut dire bonté, veut dire bienveillance. Donc nous pouvons retraduire le verset 21 de Genèse 39 ainsi. Tonten lebram biliga singer chapitre pis dans la web verset pis la yemra ti otone. L'Éternel fut avec Joseph. Jésus soba zindane Joseph. Et il étendit sur lui sa faveur. La bamba tera bam barka ngumba Joseph. Le verset continue en disant. Verset wakenga tauren yete. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Bamba kitameta a Joseph pam lohorom. Frères et sœurs, Joseph avait la faveur de Dieu. Et parce que Joseph avait la faveur de Dieu, si vous observez la vie de Joseph, vous verrez que la main de Dieu a accompagné Joseph. Il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Les bontés de Dieu se sont manifestées. Dieu a veillé sur Joseph. Et Dieu a bien veillé sur Joseph. Parce que Joseph avait la faveur de Dieu. Amis à l'écoute de la parole de Dieu. Quand vous avez la faveur de Dieu, on peut comploter contre vous. On peut planifier pour vous tuer. Comme cela a été
le cas de Joseph. Par ses propres frères. Comme cela était le cas de Jésus. Mais sachez que, la Bible, à cause de la faveur de Dieu, Joseph a été épargné du complot de meurtre. Joseph, ton réponse à dans le cas de Jésus, Jésus, il a été crucifié, mais parce que lui aussi avait la faveur de Dieu, la Dieu l'a ressuscité. Gloire au Seigneur. Quand vous avez la faveur de Dieu, on peut comploter contre vous pour vous tuer. Dieu épargnera toujours votre vie. Et même si on arrive à vous tuer, Dieu va vous ressusciter certainement. Pour la gloire de son nom et la manifestation de sa puissance. Frères et sœurs, quand nous avons la faveur de Dieu, on peut nous jeter dans un trou. Comme le cas de Joseph dans la citerne. Dieu trouvera le moyen de nous sortir du trou. Genèse chapitre 37, verset 28. Frères et sœurs, amis à l'écoute, quand nous avons la faveur de Dieu, les autres peuvent penser nous éloigner de leur présence, alors que c'est Dieu qui par eux nous conduit vers la réalisation de son objectif. Genèse chapitre 37, verset 36. Frères et sœurs, vous qui êtes venus là pour avoir la faveur de Dieu, quand nous avons la faveur de Dieu, le succès nous accompagne toujours. Quand nous avons la faveur de Dieu, comme dans le cas de Joseph, comme dans le cas de Daniel, comme dans le cas de Jésus, le succès nous accompagne toujours. Genèse chapitre 39, verset 2 et verset 3. Quand nous avons la faveur de Dieu, les autres peuvent ne pas nous établir comme roi devant eux. Les autres peuvent refuser notre autorité, notre présence. Mais Dieu va nous établir contre eux et pour eux. Genèse chapitre 39. Versets 5 et verset 6. Quand nous avons la faveur de Dieu, nous refusons et nous rejetons le péché. Parce que nous avons ce qui est meilleur. Parce que nous avons ce qui dépasse ce qui peut nous tromper. Parce que nos yeux sont ouverts sur la vérité. Parce que nous avons Dieu lui-même. Genèse chapitre 39, verset 10. Frères et sœurs, quand nous avons la faveur de Dieu, elle nous épargne des accusations des autres. Et elle nous délivre de la prison. Genèse chapitre 39, verset 17 à verset 20. Quand nous avons la faveur de Dieu, frères et sœurs, elle nous rend sages. Elle nous donne la capacité de comprendre les mystères de Dieu. Elle nous donne la capacité d'expliquer les rêves, de mettre à nu les mystères de Dieu pour les autres. Parce que nous avons la faveur de Dieu. Genèse chapitre 40, verset 12. Chapitre 41, verset 25 et verset suivant. Frères et sœurs, quand nous avons la faveur de Dieu, comme Joseph a eu la faveur de Dieu, frères et sœurs, quand nous avons la faveur de Dieu, comme Étienne le diacre a eu la faveur de Dieu, quand nous avons la faveur de Dieu, comme Jésus le fils de Dieu a eu la faveur de Dieu, nous pardonnerons ceux qui seront en train de nous persécuter. Parce que nous avons la faveur de Dieu. Si les hommes nous vannent,
Neba sans coson. Comme les frères de Joseph ont vendu Joseph. Wa Joseph sambisa sans en cosawa. Plus tard, Joseph a pardonné ses frères. La sanqueng taoli à Joseph con ababisa souli. Comme Judas a vendu Jésus. Wa Judas sans cosa Jésus. Jésus attendait Judas pour pardonner. A Jésus la gunda Judas n'a con souli. Mais Judas n'a pas saisi l'occasion. La Judas ka pam lohrom ken lohrom. Quand nous avons la faveur de Dieu. Ton santar wenam lohrom. Nous pardonnons ceux qui nous lapident à mort. Ton comptable amni son loboton. Quand nous avons la faveur de Dieu, nous pardonnons ceux qui nous crucifient. Genèse 45, verset 1 à 15, Actes chapitre 7, verset 60, Luc chapitre 23, verset 34. Frères et sœurs, s'il y a Pâques aujourd'hui, si nous célébrons la résurrection aujourd'hui, c'est justement parce que le Fils de Dieu a laissé la volonté du Père s'accomplir dans sa vie. Oui, la résurrection est la démonstration de la faveur de Dieu dans la vie de Jésus. Comment avoir la faveur de Dieu? Que le mari dise, que l'épouse dise, que l'enfant dise, que le jeune homme dise, que la jeune fille dise, que celui qui veut la faveur de Dieu dise, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, là, non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39 que nous avons déjà lu. Oui, frères et sœurs, pas seulement dire cela de notre bouche, mais le vivre dans la pratique. Laissez Dieu réaliser en nous son projet. Laissez Dieu manifester en nous son mystère. Laissez la seule volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie et pour notre vie. Et alors, nous aurons la faveur de Dieu. Dieu veillera et veillera bien sur toi et sur moi. Dieu manifestera pour toi et pour moi sa bienveillance. Dieu manifestera pour toi et pour moi sa bonté et sa grâce. Comment avoir la faveur de Dieu? Écouter la parole de Dieu et mettre en pratique dans sa vie de chaque jour contre notre propre volonté, la volonté de Dieu. Jésus a porté sa croix. Nous avons besoin de porter notre croix. Sans la croix, nous ne pourrons pas satisfaire les exigences de Dieu. Nous ne laisserons pas Dieu prendre la place dans notre vie et honorer son nom dans notre vie. Comment avoir la faveur de Dieu? Pour avoir la faveur de Dieu, laissons Dieu vivre en nous et Dieu manifestera sa faveur. Dieu manifestera sa bonté et sa miséricorde. Dieu manifestera sa grâce dans ta vie et dans ma vie et dans notre vie. Les autres vont toujours planifier le mal. Mais ceux qui ont la faveur de Dieu, Dieu va toujours changer le mal en bien. Quand Jésus a été crucifié, quand Jésus a été inhumé ou enterré, la leçon nous a dit, Satan a crié victoire, mais Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot. Et quand Dieu est arrivé, Satan est confus parce que Jésus est ressuscité. Dieu ressuscite ceux qui ont sa faveur. C'est vrai. Dans le sens biblique, même ceux qui n'ont pas la faveur de Dieu ressusciteront. Mais la différence est que ceux qui auront la faveur de Dieu vont
habiter éternellement avec Dieu. Bam na zinane wenam wakat fa. Vont habiter dans la gloire de Dieu. Bam na zinane wenam zira po. Vont habiter dans la présence de Dieu. Bam na vim na wenam belema po. Ceux qui ont la faveur de Dieu. Abraham ni sa santar wenam lohorma. La parole de Dieu nous dit. Wenam gwa mayita tonno. On va plus essuyer des larmes là-bas. Te bene nintam kana lezinbe. Nous n'aurons plus soif là-bas. Et sane namso kana zinbe. La vipère et le bébé vont s'asseoir ensemble. Koyur kana zinbe ti pointe la vipère na de maneta. Le loup et l'agneau mangeront ensemble l'herbe. Rigdeni riga la pebi abna wa bayam netaba. Pourquoi? Boyinga. C'est le règne de la faveur de Dieu. Ya wenam lohorma. Dans un monde méchant, la qui est celui dans lequel nous vivons, la faveur de Dieu est disponible. Dans un monde pervers, dans un monde corrompu, la faveur de Dieu est encore disponible aujourd'hui. Pour toi et pour moi, si nous savons dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La biyam daba pa mano. Que le mari dise à la maison. Bisida yeli yeli. Quand sa femme agit contre sa propre volonté. Parasan wa mane tikatunda raba. Père. Mba. Non pas ma volonté. Kamam davi. Mais que ta volonté soit faite. La biyam daba pa mpili. Que la femme dise à la maison. Bi para yeli yeli. Quand elle pense que son mari a fait ce qui n'est pas correct à son avis. Asan taras denta sidasman bumninga kanomien. Qu'elle dise père. Be yeli mba. Non pas ce que je veux. Kamam sandata yeli. Mais ce que toi Dieu tu veux. Be yamwe nam sandata. Que l'enfant dise à la maison. Bi biga yeli yeli. Quand il pense que le père ou la mère agit injustement. Asan taras de bawa bimawa mana sankasiyade. Père. Mba. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La que l'enfant de Dieu dise sur la terre, quand zubo. Tout semble s'opposer à toi et à moi, Bumba quand nous sommes découragés et nos calculs sont tombés à l'eau, ton wa samti, ton quand nous sommes lapidés et même crucifiés, wa lob ton kuwa sanka, ton quand nous sommes emprisonnés, ton ton quand nous sommes abandonnés des hommes, neba samba que l'enfant de Dieu dise, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et là, vous aurez la faveur de Dieu. Vous aurez la faveur de Dieu. Nous aurons la faveur de Dieu. Alors que celui qui a la faveur de Dieu est toujours plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa faveur. Mais sachez que pour avoir la faveur de Dieu, nous devons tuer notre volonté et laisser la volonté de Dieu se faire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous donnons la place à la chorale mixte qui va donner son dernier chant avant que nous puissions avancer avec les éléments de la table du Seigneur. When a song did to Jesus bala altitonata arasana na ilebe la na pa nyowoko Senya nogo wakat fan. Chorale, s'il vous plaît.
Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Demandons à nos amis qui nous aident avec les éléments de la distribution des éléments de se retirer pour laver leurs mains. Tous ceux qui interviennent, retirez-vous, lavez vos mains. Et revenez pour la distribution. Deutéronome chapitre 28. Nous lisons seulement en français. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller d'après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Comment avoir la faveur de Dieu? C'est en observant et en mettant en pratique les promesses de Dieu. C'est en laissant la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Pour qu'il y ait Pâques, Jésus a laissé la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il est mort et Dieu l'a ressuscité. Et ce pain représente son corps brisé. Cette coupe représente son sang versé. Le sang de la nouvelle alliance. Mais le sang qui pardonne le péché. Le sang qui protège. Le sang qui guérit. Le sang qui restaure. Devant ces éléments, pensons au chemin de Jésus. Sachons que nous avons à marcher sur les pas de Jésus. Nous connaîtrons la difficulté sur le chemin. Nous connaîtrons la persécution sur le chemin. Nous connaîtrons le dénuement et le manque sur le chemin. La faim et la soif nous frapperont sur le chemin. L'ennemi
l'ennemi sera derrière nous sur le chemin. La mer sera devant nous sur le chemin. Les montagnes nous empêcheront d'aller à droite ni à gauche sur le chemin. Mais parce que nous avons la faveur de Dieu. Mais parce que nous avons la faveur de Dieu. Mais parce que nous avons la faveur de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui nous a aimés. Et s'est sacrifié pour nous. La bamba. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne de dire chaque fois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père, merci pour ce pain. Merci pour cette coupe. Nous sommes là et nous célébrons et chantons la résurrection. Ces éléments nous rappellent la souffrance, la mort, mais tu es ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et nous te rendons gloire. Donne-nous la grâce de marcher dans ta faveur. Et ces éléments nous rappellent que ta faveur est disponible, que ta présence est réelle et que nous pouvons marcher de victoire en victoire en restant en communion avec toi et en communion les uns avec les autres. Bénis le pain, bénis la coupe, bénis mon frère, bénis ma sœur, et que la résurrection nous accompagne sur le chemin de notre voyage, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ceux qui sont passés par les eaux du baptême par immersion se tiennent debout pour faciliter le partage des éléments. Et nous allons prendre le pain pour manger, prendre la coupe pour boire. Ce pain représente le corps de Jésus. Ne le prenons pas avec négligence. Ne buvons pas la coupe avec négligence. Non, c'est solennel. Laissez la chorale des femmes, parce que la chorale des femmes va chanter tout de suite. Tenez-vous debout et puis vous allez chanter pendant qu'on distribue votre troisième chant. Et quand vous aurez fini de chanter, nous allons continuer et on vous donnera les éléments après. Nous écoutons la chorale de nos mamans. Si vous êtes baptisé, tenez-vous debout et participez, s'il vous plaît. Bam ka ku bam ba ye, la bam ka ku bam ba ye, la bam ka ku bam ba ye. When nam senta bam do to maya, la bam ka ku bam ba ye.
sans péché, ton pas suya, de ton pas n'a pas fangéré. Zim Seigneur, Jésus sauve l'oure pour mon saman bangé, Jésus non long, when I'm saint mané contando, when I'm saint mané contando, when I'm saint mané contando. Mon saman bangé, Jésus non l'om, mon âme saint mané contando. Basse dunia, dita mam arzana batore, mam na pengeda. Mamba wenam, ba wenam menga yere, ba wenam menga yere, ba wenam menga yiri. Mamna pengeda, mamba wenam, ba wenam menga yere. Mam azana batore, mam na pengeda, mam ba wenam menga yere, na menga yere, ba wenam menga yiri, mam na pengeda. Nous allons, merci à nos mamans, nous allons élever individuellement la voix pendant qu'on continue de distribuer pour rendre grâce à Dieu, pour célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il est notre sauveur. Il est notre Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Individuellement, nous élevons la voix et nous prions. Mine. C'est vrai. Mine. Gloire et louange à ton nom, Jésus. Gloire et louange à ton nom, Jésus. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Mine. Sida. Mine. Sida. Ya sida. Mine. Mine. Poussez la baraka. Les perlés. Mine, sida Jésus. Jésus répondit. Mine, sida. Mine, sida. Kika. Baraka Jésus. Baraka Jésus. Mine,
Ibaraka. Ibaraka. Amine. Ibaraka Jésus. Ibaraka Jésus. Mine. Inongolma yinge Jésus. Inimbanzuera yinge Jésus. Ibaraka. Ibaraka Jésus. Akika. Alléluia. Poussez la barca. Poussez la barca. Poussez la barca. Pierre ya nyamba. Wore ya nyamba. Poussez la barca. Amina. Atokaye. Amine. 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 Sida. Sida. Akeka. Mine. Baraka. Ibaraka. Sida. Ibaraka Jésus. Ibaraka. Ibaraka. Sida. Mine. Akeka. Akeka. Sida Jésus. Amine. Ibaraka Jésus. Ibaraka Jésus. Amine. Sida. Akika. Ibaraka. Sida. Baraka. Yawoto. Baraka. Inongul Mayinge. Nyambalan Zemse. Mine. Mine. Baraka. Mine. Sida. Yanyamba. Atokaye. Mine. Sida. Ibaraka. Ibaraka. Mine. Sida. Batu mpusi ambaraka saye. Ayo. Abada. Mine. Sida. Akika. Mine. Mine. Baraka Jésus. Baraka. Amine. Sida. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Amine. Amine. Sida. Baraka Jésus. Kika. Amine. Amine. Alléluia. Yanyamba Jésus. Ibaraka. 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 Mine. Sida. Akika. Sida. Alléluia. Sida. Repère. Repère. Alléluia. Imana Nere. Imana Nere. Imana Nere. Ya Sida. Akika. Père Laware, Yawoto, Amine, Repère, Ibaraka, Ibaraka, Ibaraka Jésus, Ibaraka Jésus, Ibaraka Jésus, Mine, Mine, Amine, Nyam ya songo Jésus. Nyam ya songo Jésus. Nyam ya songo Jésus. Nyam ya sida. Nimban zuere. Baraka. Ibaraka. Ibaraka.
Ya yam fanre yinge. Alléluia. Mine. Ibaraka Jésus. Ibaraka Jésus. Ibaraka Jésus. Inongol manyinge. Mine. Sida. Repere. 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 Alléluia. Baraka Jésus. Baraka Jésus. Sida. Baraka. Sida. Mine. Sida. Mine. Mine. Ibaraka. 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 Sida. Sida. Mine. Baraka. 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 Amina, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore eu, que la personne se manifeste pour qu'on puisse la servir. Vous voyez, dehors comme à l'intérieur, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été servi, levez la main pour qu'on vienne vous servir. On se tient debout. Alti tonata arasana na yilebe la napa yonwoko seyanogu wakafa. Nous allons reprendre. Mais au lieu de dire nous, on va dire moi, moi na song mam. Dielti mama na etonda na ilamti mam. Wena songi mam titu Jesus bala. Alti mam nata arazana. Na yelebe lam na pa nyowoko seyanogo wakatfa. Atfana l'armataba. Ensemble, nous allons. Zeker kwe sam pouswen nam baraka. Élever notre nos voix pour dire merci à Dieu. Bam son content ton le man ronda pak ying. Pour ce qu'il nous a donné de vivre encore la Pâque cette année. La riel ba. Et lui dire. Wen nam ton dat man aver pak ne taba. Dieu, nous voulons célébrer la Pâque de l'année prochaine ensemble. Au nom de Jésus. Zeker kwe sa. Dim nambarima. Pousse la barca. Yam koma mzunoro. Taman donda paka ne babira pa. La mi pousse. Taman pousse yama wena barca. Pousse yama wena barca. Nyok ni la sera. Tu kom zunoro. Tam leba man ver paka ne babira pa. La mi pousse. Yaska yam ne batore. Leba zekum nugalam zekum kwera. Yeti barkwenam. Yeti barkwenam. Yeti barkwenam. Yeti barkwenam, yeti barkwenam, yeti barkwenam, yeti barkwenam. A Jésus masminge, a Jésus masminge. Amine, 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 amine. Tu es indé me? Pouvez vous asseoir. On a converné la vie. Que Dieu nous donne à l'année prochaine en paix. On a converné sur nos roues. Que Dieu nous donne l'année prochaine dans la joie. Que Dieu nous accompagne dans la vie. Que Dieu nous donne la foi. Que Dieu bénisse nos maisons. Et nous donne longue vie. Et nous donne d'aimer Dieu. Que Dieu nous donne à manger suffisamment. Que Dieu nous donne à boire.
Burkina Faso Baraka. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Tu cours dans les coupures. Afin qu'il n'y ait plus de coupures de courant. Qu'il n'y ait plus de, que l'eau ne manque pas. Riba seke. Qu'il y ait à manger. Tizabra ça. Et que la guerre prenne fin. Et que chacun puisse aller chez lui. Et aller semer. Récolter. Et manger. Et il y aura un reste. Et qu'il puisse vouloir donner à quelqu'un. Amen. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu nous donne la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous donne la faveur de Dieu. Que Dieu nous donne de nous aimer. Que Dieu nous donne de s'entraider. Que Dieu nous donne de réaliser que la venue de Jésus-Christ est proche. Que Dieu bénisse chacun de nous. Au nom de Dieu le Père. Au nom de Dieu le Fils. Au nom de Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne à l'année prochaine. Au nom de Jésus. Pasteur Wilson, il est même terrien. Pasteur Wilson me charge de vous rappeler. Avant qu'il vienne terminer, les anciens, les diacres, la sous le toit d'enfants et les responsables des structures, que ce soit, il y a une rencontre. Les pasteurs ont dit que ce soir il n'y a pas réunion de cellules. À partir de ce moment jusqu'à 18h, que chacun reste chez soi, causer avec sa femme, ses enfants, ceux qui n'ont pas de femme et des enfants, s'ils veulent aller rendre visite à ceux qui en ont. Il n'y a pas de problème. Ils vont préparer encore. C'est ce que je voulais. C'est le Saint-Esprit. C'est ce que je voulais dire. Mais non, non. C'est bien. C'est ce que je voulais dire, mais il a mal conjugué le verbe. Si ils viennent trouver que la nourriture est finie, ceux qui sont venus vont préparer. Il y a le feu, il y a le bois. Et ils vont préparer pour manger. Au nom de Jésus. Que Dieu nous donne de nous aimer les uns les autres. Veillez à 600 ce soir. Il y a VMB 600 Jabra. Levez du corps de matin à 7h à Bordeaux à côté. Et puis la suite. La à 5h, il y a prière pour le travail ici. Et mardi soir, atelier sur la journée des pasteurs. La talata dar zabri tumambeka pasteur damba daranyinga. On a convenu la fi. Que nous donne à l'année prochaine en paix. Et on a convenu la fi. À l'année prochaine en paix. Que Dieu bénisse les personnes âgées. Que Dieu nous donne de sortir du moment de chaleur dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que c'est merveilleux de se retrouver dans la maison du Seigneur. Pasteur, est-ce qu'on ne va pas continuer? D'accord, veuillez vous tenir debout. Nous allons prier et puis passer un autre moment ailleurs. Toujours dans la grâce du Seigneur. Père éternel, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as permis de passer dans ta maison. Nous avons écouté ta parole. Nous avons été bénis. Nous avons chanté. Les adorations sont montées vers toi. Nous avons été bénis. Merci pour ce temps de transformation. Que toute la gloire te revienne. Maintenant, nous voulons nous retirer. Nous te demandons d'être avec nous, de nous accompagner partout où nous serons. Aujourd'hui, nous voulons nous rappeler de ta mort et ta résurrection. Permets que cela se fasse dans le strict respect de ta volonté. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur d'être avec chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée. Mamna tunyam tiyam venam gubyama mam susongo
La mam yira lo gamen Bouni nga fan Senda nam sen mam vima Mam basa fa Kumda pika tenge Mam nan kena ne Mam nan kena ne ban La mam sake bam ba mam sura sa same when I'm seeing na mesama